Alors pour beaucoup de personnes, réussir à gagner de l'argent avec de l'immobilier, ça consiste tout simplement à en acheter et puis simplement à le louer ou à le revendre d'ici quelques années avec une belle plus-value. Eh bien, on va se dire la vérité, si tu crois ça, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'à très très loin, parce que ces temps-là, c'est fini. Enfin, c'est pas que c'est fini, mais en tout cas, ça va être vachement plus compliqué. Il va falloir monter en expérience et en expertise. C'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'immobilier parce que l'immobilier, eh bien, ça me fait vibrer, ça me passionne et au fond, on ne parle bien que de ceux qu'on aime. Je suis moi-même investisseur dans des appartements, des garages maison, etc. Et donc, du coup, je partage ben, mon expérience et mon savoir-faire avec vous, et également avec les clients de mes formations, avec mes élèves, avec qui ben, je partage un maximum de, de contenu. Tout ce que je sais, en fin de compte, je le partage, notamment au travers de la formation Imo et Liberté, qui est une formation dans laquelle il y a plus de 36 heures de contenu. Pour un tout petit prix, on est à moins de 250 euros. Donc, je t'invite à aller faire un tour. Tu verras, ça risque de beaucoup t'intéresser. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, on va parler d'immobilier et se poser cette question suivante de savoir si, au fond, c'est la fin de, des, des, des financements et de l'immobilier facile. Eh bien, clairement, on va se dire les choses parce que j'ai pas pour habitude de tordre la réalité. Oui, on est en train de vivre la fin d'une période d'à peu près 15 ans durant laquelle les taux n'ont fait que s'effondrer et durant laquelle les prix sont partis littéralement dans les étoiles. Je pense qu'on est en train de vivre un vrai retournement. Les taux sont en train de monter et cette montée va s'accélérer probablement au fil des mois qui viennent. L'accès au crédit immobilier va être plus difficile puisque le, le crédit en lui-même va être plus cher. Ça risque de créer une pression baissière sur les prix des biens immobiliers puisque ce sera plus difficile de réussir à les acquérir. Tu sais, au fond, c'est jamais que la loi de l'offre et de la demande. Alors tout ça, c'est dans la théorie et on va voir que dans la pratique, bien évidemment, comme tout dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est déjà en train de noter une baisse des prix, notamment dans les grandes villes comme Paris. Alors même que l'inflation explose, tout est beaucoup plus cher. Et pourtant, votre salaire, ton salaire, la pension que tu reçois peut-être chaque mois, elle augmente pas à la même vitesse. Concrètement, ça veut dire que tu es en train petit à petit de t'appauvrir au fur et à mesure du temps, hein, ni plus ni moins. Il faut savoir également que les gens ont de plus en plus de difficultés et vont avoir de plus en plus de difficultés à se financer, notamment à cause des recommandations euh, du Haut Conseil à la stabilité financière, le HCSF, je vais y arriver, qui nous indique qu'il ne faut surtout pas euh, qu'il y ait de taux d'endettement supérieur à 35% et que on fera plus de crédit au-delà de 25 ans, etc. Alors, sur le papier, comme ça, ça a l'air pas si restrictif que ça, tu vois, parce que s'endetter au-delà de 25 ans, ça fait des durées qui commencent à être quand même déjà sacrément longues. Hein. Après, c'est un choix personnel par rapport au projet d'investissement qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de recette magique en ce domaine. Mais bon, euh, voilà, et dépasser des taux d'endettement de plus de 35%. Après, ça ne veut rien dire non plus parce que ça dépend aussi des revenus de la personne. Et si tu as un reste à vivre de 2500 ou 2000 euros par mois, euh, forcément, cette question du taux d'endettement, elle est pour le moins discutable. Et bien pourtant, les banques sont contenues euh, d'appliquer strictement ces recommandations avec une plus forte régulation et avec une plus forte restriction quant à l'accès à ces crédits immobiliers. Et donc, comme c'est plus difficile de se financer, forcément, et bien l'accès hein, est de plus en plus rare. et de donc, ça a tendance à créer une pression baissière. Alors, toutefois, je voudrais un petit peu pondérer tout ça avec ce qui s'est passé durant les dernières années, et tout particulièrement l'accélération des prix de, 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 de vente qu'il y a eu sur l'immobilier sur l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, l'année 2021, a été une année record. Tout le monde est complètement d'accord avec ça. Les notaires l'ont noté, etc. Ça a été la folie. Il n'y a jamais eu de transactions, autant de transactions immobilières. Ça a été un truc de dingue. Pourquoi Parce il bah, y a plein de gens d'abord qui se sont rendus compte que pour le prix d'un studio à Paris, bah, ils pouvaient tout à fait avoir accès à une très belle maison euh, au bord de la mer ou à la campagne. Et compte tenu des restrictions et du développement du télétravail, eh il y a toute une catégorie de population, notamment des catégories de population aisées qui travaillent sur ordinateur, pas ceux qui bossent sur les chantiers hein, ou qui vont bosser à l'usine, et eh bien eux peuvent travailler à distance. Et donc, comme en plus, c'est des personnes qui ont de forts revenus en général, donc ce qui s'est passé, c'est que ça a créé une pression haussière très forte dans certains coins. Je pense notamment à tout le littoral du Pays Basque, du, le Bordelais, etc. Même la Normandie. Où on a vu des biens immobiliers, euh, qui, euh, qui, où l'immobilier, il a, il a carré, quasiment fait un fois deux, tu vois, sans raison particulière, sans explication. Il n'y avait rien de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle autoroute qui, qui est arrivée ou un nouveau TGV ou quoi que ce soit. Non, simplement cette loi de l'offre et de la demande. Et le phénomène, il n'est pas spécifique à la France. Il s'est passé exactement la même chose, notamment au Canada, où on on a vu euh, les prix des chalets au bord des lacs, etc., qui sont partis à des prix mais complètement fous, des 300, 400 mille dollars. La baisse qui est en train d'apparaître aujourd'hui, elle est tout de même à relativiser, notamment par rapport aux 15 précédentes années durant lesquelles les coûts euh, du crédit n'ont fait que baisser. Je vais te donner un exemple. Je me rappelle très bien en 2009, j'avais acheté un appartement. Donc tu vois, moi j'investis quand même depuis quelques années déjà. Et euh, cet appartement, j'avais réussi à obtenir un taux de financement TAEG, hein, donc taux tout compris, machin. On était à 4,25, d'accord, assurance inclus, sur 25 ans. Et tout le monde m'avait dit, wow, oh, Jérémy, c'est génial, tu as réussi à obtenir un super taux. Et les gens qui par la suite continuaient euh, d'investir et d'acheter de, de, de l'immobilier, eux arrivaient à obtenir des taux encore plus bas, tu vois. Donc on se disait, mais jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça ça va aller, c'est pas possible. Et je peux te retrouver des contenus déjà il y a dix ans où les gens se disaient oui, mais ça va finir par s'arrêter à un moment donné, les taux vont remonter. Bah devine, ça y est, on y est, on a touché le plafond bas et ça y est, les taux vont remonter. Donc forcément, ceux qui ont connu l'investissement uniquement sur les dix dernières années comme ça, et eh bien forcément ils prenaient pas de gros risques à acheter de l'immobilier parce qu'ils étaient à peu près certains que la valeur du bien elle allait. Monter au fur et à mesure du temps. Mais en vérité, on est en train de rentrer dans un contexte qui est totalement, totalement différent, puisque même les coûts de construction pour l'immobilier neuf sont beaucoup plus importants du fait même de l'inflation, du fait même de la rareté, de la difficulté à s'approvisionner sur certains matériaux. Forcément, ça crée des prix beaucoup plus chers. Et comme c'est plus cher, eh bien, c'est plus difficile à acquérir, puisque toi, t'as pas plus de sous qui rentrent dans ton porte-monnaie. Alors, pour autant, est-ce que ça veut dire que l'immobilier, c'est mort et qu'on n'arrivera plus à s'en sortir? Non pas du tout des bonnes affaires dans le domaine de l'immobilier il y en avait avant il y en a aujourd'hui il y en aura demain mais il faut quand même tenir compte aussi du fait que aujourd'hui on a les nouveaux dpe qui sont arrivés et certains biens notamment les biens qui ont les plus mauvaises notes énergétiques FG etc qu'on ne pourra plus louer et donc ben, il y a des propriétaires qui posséder ces biens anciens, ces passoires énergétiques depuis longtemps et qui sont pas prêts à engager des travaux parce qu'ils se disent qu'au fond s'ils font des travaux ça va peut-être pas forcément leur permettre de pouvoir louer plus cher et ben un grand nombre d'entre eux se disent au fond pourquoi pas revendre sortir prendre le cash et pourquoi pas envisager de repartir peut-être sur d'autres opérations. Et là, ça crée beaucoup de biens qui arrivent sur le marché, beaucoup de biens anciens, donc une plus forte pression baissière, mais ça peut aussi constituer de belles opportunités, notamment pour ceux qui ont pris le soin de se former, d'arriver à détecter ces opportunités, d'arriver à voir quels sont les biens qu'ils vont peut-être pouvoir acquérir, dans lesquels ils pourront réaliser peut-être un certain nombre de travaux pour améliorer la note énergétique et réussir à mettre des biens sur le marché. Bien qu'ils ont réussi à acquérir en fin de compte pour une bouchée de pain. Il faudra peut-être mettre un Peu plus d'apport auprès de la banque, cette situation dans laquelle euh, on avait des crédits avec euh, 110%, euh, tu vois, d'emprunt à la banque où la banque elle te prêtait tout, le prix du bien, les frais de notaire, la rénovation, etc. Ben, ça va devenir de plus en plus difficile à obtenir, mais dans plein d'autres pays du monde entier, ça n'existait pas du tout. Et alors, ça veut pas dire qu'on faisait pas de l'immobilier et des bonnes affaires, même avec des taux d'emprunt à 8%, il y a des gens qui arrivaient à faire des super coûts, des super affaires, et donc ce sera toujours possible. Attention toutefois. Et là, je mets un énorme warning. Formez-vous, prenez soin d'apprendre avant de faire, parce que sinon, c'est à tout risque et vous allez vous casser les dents. Personnellement, moi, j'ai fait les mauvais choix au début, notamment en y allant un peu comme ça à la fleur au fusil et en me disant non, 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 j'ai besoin des conseils de personne parce que je suis plus intelligent que les autres. Et bah, ben, résultat des courses, on y laisse du pognon, du temps, de la sueur, de l'énergie et une bonne partie de sa motivation. Donc, faut vraiment s'accrocher pour ensuite transformer ça en quelque chose de positif qu'on va ensuite transmettre aux autres. Et puis gagner en expérience à moins d'être totalement stupide pour justement ne plus jamais refaire les mêmes pièges c'est ce que je vous propose tout simplement c'est ce que je partage dans mes vidéos dans mes articles sur mon site internet www.frugalisme.com j'en profite au passage j'avais écrit un article dans lequel j'ai parlé de ma pire euh, opération immobilière mais j'en ai fait plein qui sont super bien passés et qui me permettent de gagner de l'argent on risque peut-être de voir une baisse euh, pendant quelques temps pendant peut-être quelques mois, pendant peut-être quelques années, encore que ça, ça vaut le coup de se demander où est-ce qu'elles auront lieu ces baisses, parce qu'elles auront pas lieu partout. Les prix ne vont pas baisser partout. Moi, je pense que l'avenir, une grande partie, eh bien, ça va être notamment aux abords des villes moyennes, parce que aux abords des villes moyennes, on va encore trouver des petits bleds un petit peu en mode campagne, où on a encore des prix qui sont sous cotés alors que ces villes moyennes, elles, eh bien, elles voient leurs prix immobilier exploser du fait notamment du télétravail. Et des gens qui quittent les grandes villes pour gagner en qualité de vie. Retenez que l'immobilier, c'est un marché local. À certains endroits, ça va baisser, à certains endroits, ça va monter et à certains endroits, ça va exploser. L'immobilier, c'est un marché d'opportunités. Donc il faut apprendre à les détecter en chaussant les bonnes lunettes qui vont vous permettre de voir les opportunités et surtout de vous mettre en condition de pouvoir les saisir, de vous mettre en condition d'obtenir les financements. Ça, ça se prépare, prépare. c'est comme un marathonien, on va pas aller aux jeux olympiques hein. sans être prêt, sans être Entraîner, et eh bien, c'est ça exactement ce que vous devez faire. Dans un contexte où tout le monde commence à sérieusement flipper des banques, ben l'immobilier, ça reste un bon moyen de se débancariser. Pourquoi Parce que tu vas stocker de la valeur dans de la pierre. Et de la pierre, c'est peut-être pas stupide d'envisager en d'en acquérir aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, les gens auront toujours besoin de se loger. Et il y a un vrai manque de logement aujourd'hui en France. Donc, compte tenu de cette fameuse loi de l'offre et de la demande, sur le long terme, ça peut être une très bonne idée d'arriver à saisir les opportunités qu'on peut trouver en ce moment sur le marché. Oui, il est tout à fait possible que le, le marché se retourne avec des prix, avec des tendances plutôt baissières, mais c'est à vous d'arriver à acheter en dessous du prix du marché pour réussir à faire de bonnes affaires. C'est à vous d'arriver à faire en sorte de louer correctement, du mieux possible, en offrant un service qui soit décent, de trouver les meilleurs régimes fiscaux qui seront adaptés par rapport à votre profil, par rapport à votre situation, pour réussir en fin de compte à gagner le plus d'argent c'est juste le but du jeu et de refaire des opérations parce qu'en vérité réussir à acquérir un bien immobilier c'est pas si difficile que ça là où ça devient beaucoup plus coton c'est d'arriver à reproduire l'opération pour en acquérir plusieurs et se constituer comme ça un petit parc au fur et à mesure du temps ça ça demande beaucoup plus d'expertise j'ai envie de dire parce qu'il va falloir que la banque te suive plusieurs fois sur le long terme donc tu n'as pas le droit de perdre des sous tu n'as pas le droit de perdre de l'argent sinon tu auras grillé tout est joker en conclusion de cette vidéo je voudrais vous dire que vous ne devez ne devriez pas trop traîner si vous souhaitez investir, parce que plus vous allez attendre, plus les taux d'emprunt seront importants et plus le coût de l'argent sera lui-même important. Ce sera plus difficile de se financer, ça vous coûtera. Plus cher, ça veut pas dire que ce sera impossible, mais du moins, et eh bien il faudra tenir compte du fait qu'il faudra justement ramer un petit peu plus pour obtenir ce que vous souhaitez. Si ce dont je vous parle, ça fait sens, si ce dont je vous parle, ça vous donne envie d'aller plus loin avec moi, si vous voulez en savoir plus, et dans ma formation, je parle de tout hein. je parle du nouveau DPE, je parle euh, des nouvelles possibilités pour arriver à se financer aujourd'hui, etc. J'ai interviewé mon notaire, j'ai interviewé mon huissier, j'ai vraiment essayé de partager aussi l'expérience d'autres investisseurs. Plus de 30 36 heures de contenu, vous avez tout le détail du programme, heure par heure, presque minute par minute, pour savoir exactement ce que vous allez y trouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.